m'appelle Loïc Bologne, Head of Workplace and Procurement. Depuis sa création, en 1994, EVS a toujours prêté une attention particulière à l'environnement. En 2015, lorsque nous avons déménagé vers le nouveau bâtiment, à proximité de l'université et du centre de Liège en Belgique, une attention particulière a été portée à la technique utilisée dans le bâtiment. En hiver, par exemple, nous récupérons la chaleur produite par nos machines pour réchauffer le bâtiment. Durant l'été, nous utilisons le principe de free cooling. Nous utilisons l'air frais présent à l'extérieur durant la nuit pour refroidir le bâtiment. Si c'est nécessaire, nous pouvons aussi activer d'autres systèmes tels que le système adiabatique qui consiste à micropulvériser des gouttelettes d'eau de pluie dans de l'air pour faire chuter la température. Grâce à la sensibilisation du personnel et à l'optimalisation des techniques du bâtiment, nous avons réduit, durant ces trois dernières années, de plus de 30% notre consommation d'énergie. En 2020, nous avons aussi augmenté notre production d'énergie verte sur site grâce à une extension de notre installation photovoltaïque. Nous avons profité de cette occasion pour aussi prévoir 24 bornes de recharge pour les véhicules électriques et collecter un peu plus d'eau de pluie. D'autres initiatives, parfois de plus petite ampleur, sont aussi mises en place afin d'agir localement.